Dans ce qui a rapport avec la question de l'insécurité dans le pays, il y a un conseil présidentiel de transition en compagnie de Dr. Gary Koni qui demande à la population dans le centre-ville Port-au-Prince pour être capable de vider les lieux dans un délai de 8 jours à compter de date publication communiquée qui est 24 juillet. C'est ça que vous avez fait connaître dans l'objectif pour capable de faire un nettoyage dans ce qui a rapport avec le banditisme dans le pays. Nous allons porter plus de détails pour vous dans la vidéo ça aujourd'hui. Suite à l'attaque bandit armé qui fait dans Gantier, eh bien, il y a 3830 personnes qui étaient dans l'obligation pour capable de vider les lieux pour rejoindre le support familial, pour rejoindre un refuge. Tout de suite après l'attaque, ça, moun yo même yo t'a pral prendre refuge dans 3e section communale Fond Parisien qui situé dans même commune ça. Nous pral porter plus détails pour dans vidéo ça jodi. Et dans commune Cité Soleil, j'en connais déjà que Cité Soleil c'est une zone dans pays qui chargé avec question bandits. Eh bien, jou kite mercredi 24 juillet dans zone Cité Soleil, gen yon décision qui t'a pral prendre là juste pour la paix capable fait en dans commune Cité Soleil là. Et population dans zone ça t'a pral manifester contentement yo en raison de décision ça qui t'est arrivé prend pour que bandi eux même yo fait la paix en dans commune Cité Soleil. Nous pral porter plus détails pour sous question ça dans vidéo jodi. Et maintenant ça qui gagne rapport avec élection dans pays États-Unis, gagne Joe Biden lui-même j'en connais déjà qui t'est décidé faire retrait dans prochain élection yo. Finalement là Joe Biden lui-même il t'a pral bail raison qui cause que il t'est décidé faire retrait ça pour pas al participer dans prochain élection face à candidat officiel républicain qui c'est Donald Trump. Li bay raison qui cause que li t'a décidé faire outre ça, je ne connais que li pas décidé camper malgré en pile pression qu'il t'a subi, mais finalement jour qui était dimanche là, li t'a pral décidé bay vague dans sa qui a rapport avec participation pour un autre mandat dans pays États-Unis. Nous pral porter plus détails pour dans une vidéo ça jeudi à sous question ça. Et puis gain ancien président Parti démocrate là qui c'est Barack Obama, il t'a pral parler sous question participation Kamala Harris pour prochain élection yo qui pral gain pour fête dans quelques mois encore. Il a déjà déclaré que il est prêt pour capable à supporter Kamala Harris dans cadre élection ça yo qui pral gain pour organiser. C'est quelque parmi points que nous pral développer pour dans vidéo nous pour jeudi à. Pas oublier suivre nous sous pas trop fait ça. C'est unique façon ça pour capable être connecté à toute information que n'a porté pour vous. Et j'ai noté tout là dans le commencement vidéo, gouvernement lui-même demandé à occupant plusieurs blocs centre-ville là pour capable vider les lieux dans un délai de 8 jours francs à compter de 24 juillet. Une mesure qui lié à état d'urgence sécuritaire côté que bloc ça eux-mêmes yo contrôlé par un pile bandi cap terroriser population. Dans l'idée pour capable éradiquer bandi ça yo, eh bien gouvernement t'a pas demandé monde qui occupe espace là pour être capable de chercher un côté de mettre pour capable faciliter que l'opération même déroule comme ça doit. Ces mesures ça que le gouvernement prend juste pour capable éradiquer gang dans centre-ville. Et l'autre point que n'a développé pour vous, suite avec attaque dans la commune Gantier, tout près frontière Malpass, dans la 5e section communale pays pourri, il y a un total de 3830 personnes qui déplacé suite avec attaque bandit armé ça. Et bien tout le monde ça même yo joine refuge côté bon côté famille notamment dans la 3e section communale Fond Parisien qui est située dans la même commune. Ça. Et n'a pas rappelé que la commune Gantier lui-même subit plusieurs attaques depuis fin année 2023, alors que ce n'est pas un bagage qui était presque jamais fait dans la zone ça parce que c'était une zone qui était vraiment vraiment posée que zone ça. Mais malheureusement, depuis fin 2023, eh bien, bandit pas jamais suspendu par problème et cause que la population pas jamais suspendu à courir monter descendre dans la zone ça qui c'est Gantier. Et l'autre point que nous avons développé pour vous, dans la commune Cité Soleil, il y a des gangs eux-mêmes qui fait la paix, ça qui cause que la population est vraiment vraiment content, yo déplacé en foule juste pour être capable de manifester contentement yo lorsque gagne la paix qui fait entre gangs yo en dans commune Cité Soleil là. Je ne connais déjà que Cité Soleil lui-même c'est une zone qui pas jamais suspendre subi attaque bandit armé. Dans le moment que n'a parlé là gagne la paix qui fait entre bandi yo dans zone ça qui c'est zone Cité Soleil là. En cause de un traité de paix qui t'est arrivé joindre entre Al-Qaïda qui t'a bail en pile problème dans zone ça. D'après pasteur Enoch qui c'est un notable dans zone ça qui c'est Cité Soleil là, il t'a pas publié en pile photo et vidéo sous événement ça sous réseaux sociaux. Et bien selon lui-même, li cité témoin Jimmy Cherizier qui c'est barbecue, gain Mathias et Gabriel qui c'était deux anciens rivaux. Yo rencontré jodi a pour juste pour capable signer décision ça. Côté que depuis plusieurs mois, pas de jambe gain affrontement entre gang rival ça.
mais il était difficile pour nous notre axe sous avenir soleil là qui considéré comme vert qui c'était un abri côté que tireur même on positionné juste pour capable tirer sous monde qui passé. Et bien journée jodi a caïdio même yo décidé pour capable détruire abri ça avec bulldozer et Enoch Joseph lui-même il t'a pas confirmé que décision ça il t'a pas bien accueilli par population ça qui cause que dans moment que n'a parlé la population dans Brooklyn yo pas capable rendre dans Boston. Et bien dans moment que n'a parlé là c'est sans problème yon ka aller dans l'autre c'est ça que Enoch Joseph lui-même t'a pas continuer pour le dire. Brooklyn et Boston, c'est deux quartiers dans la cité sous les lacs qui contrôlés par deux gangs rivales. Yo te kon bay population en pile problème pendant plusieurs années. Gen assassinat, viol ak l'autre exaction qui te rivé dénombré par en pile moun nan zone sa qui se cité sous les lacs. Et bien nan moment on a parlé là, gen la paix qui rivé fait ça cause que population yo manifesté contentement yo nan zone sa. Et nan sa ki gen avec élection yo nan pays États-Unis jan nou di la, Joe Biden li même finalement après li te prend décision qu'il te prend. Li pa traité silence. Li t'a pas bail déclaration pour faire connait qui raison qui cause directement qui fait li prend décision ça que le prend pour pas arrêter dans course là pour aller participer dans élection. Et bien président américain Joe Biden, li t'a pas expliquer jour qui était mercredi soir là à compatriotes yo dans une allocution télévisée, le raison qui cause que li t'a fait ça. Une raison qui cause que li prend décision ça que le prend, c'est juste pour capable sauver démocratie et puis pour capable bail place là avec un monde qui plus jeune. Là nous connaît déjà que Joe Biden lui-même c'est un monde qui quitte 80 l'année déjà et ça c'est une raison qui cause que Joe Biden lui-même n'est pas décidé de rester dans la course là pour aller participer dans l'élection. Quand que t'a pas déclaré dans lettre ça que il écrit, c'était un honneur dans ville pour arriver président américain. Mais à cause de défense démocratie lui-même qui en jeu, il décidé pour pas rester dans la course là parce que l'âge est vraiment avancé. C'est ça que li t'a pral adressé. Et li également fait qu'on est que pour dernière semaine ça à cause de en pile pression qu'il t'a su. Li doit faire tout ça possible pour le capable faire place avec un monde qui plus jeune passer. C'est ça qui fait que c'est vice-présidente Kamala Harris qui a seulement 59 ans qui pral gain pour lui participer dans l'élection comme étant candidate pour démocrate. C'est ça que Joe Biden lui-même t'a pral exprimé. Côté que li fait qu'on est que Kamala Harris c'est un monde qui vraiment expérimenté, li forte et li vraiment compétente. Et il t'a pas continuer pour le faire connait que il était un partenaire incroyable pour lui, il est capable de faire un bon dirigeant pour pays États-Unis. Et il fait connait que c'est avec peuple américain qu'il pour capable choisir et puis pour capable garantir un bon demain pour démocratie dans pays États-Unis. C'est ça que Joe Biden lui-même t'a pas déclaré comme étant raison qui cause que il pas décidé poursuivre course là dans cadre élection yo dans pays États-Unis. Et ça qui t'a pas le plus suscité une crise bon côté démocrate yo, c'est surtout après mauvais débat ça que Joe Biden lui-même l'était fait face à président Donald Trump là. Et bien ça t'a pas provoqué une avalanche d'appels à ce que li quitte place li pour un monde qui plus jeune parce que yo te wè de lui-même un monde qui pas capable kembe vraiment pour un autre mandat dans tête pays les États-Unis comme étant président pays ça. Et gen Barack Obama lui-même qui déjà fait connait que li envisageait pour soutenir Kamala Harris pour présidence américaine. Côté que yo en contact lui commencement campagne Kamala Harris là tout de suite après que président Biden lui-même l'état pral décidé faire retrait. Selon même sous ça, yo fait connait que même ancienne première dame nan, qui c'est Michelle Obama qui c'est madame Barack Obama li déjà prêt là juste pour capable al camper derrière Kamala Harris pour prochaine élection qui pral gain pour le fait là. Et conseil Obama ak Harris yo également discuté sur possibilité pour que yo dé apparaître ensemble lors de campagne électorale. Et président Obama lui-même li impatient pour capable aider démocrate là dans élection qui pral gain pour fait là dans pays États-Unis. Et même Obama également li pas ouais non Joe Biden yon moun ki te capable rete nan tête pays a pour yon l'autre mandat encore. C'est ça qui fait li te fait partie de moun qui t'a parlé ensemble avec Joe Biden pour question retrait li nan cadre participation pour élection yo qui pral gen pour fête dans quelques mois encore dans pays États-Unis.